Et on va passer à la conclusion justement de cette matinée. Je vais laisser la parole à Laure de Lahousse, qui est directrice générale de l'AFG. Merci de l'applaudir. Bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer tout à l'heure. Je voulais commencer évidemment par remercier tous les intervenants donc des deux tables rondes, de la présentation de l'étude, Anna et Thomas, Isabelle pour avoir animé avec brio cette matinée, et puis bien sûr les équipes de l'AFG, les équipes de la communication qui ont fait un super boulot, et enfin le MEDEF qui nous accueille. On a vu que le lien entre les entreprises et les financeurs sont très importants, et le fait que aujourd'hui cette matinée se passe au MEDEF est aussi très symbolique. Peut-être pour résumer un peu ces débats qu'on a eus ce matin, j'ai senti moi beaucoup de passion, beaucoup d'énergie positive, puisqu'on est dans la transition énergétique, beaucoup d'énergie positive dans tous ces débats, malgré évidemment beaucoup de défis. Et ce que j'ai senti, cette énergie, elle est partagée par tous les acteurs de la chaîne. On a parlé de cette nécessité de cohérence entre les différents acteurs de la chaîne. Donc les entreprises, comme le disait tout à l'heure Hélène, ben les entreprises, s'il n'y a pas de finance durable, s'il n'y a pas des entreprises qui font des actions pour transformer leur modèle vers un modèle plus durable, et donc le premier maillon de la chaîne, finalement, ce sont les entreprises. Et puis ensuite, il y a les analystes, les sociétés de gestion qui vont fabriquer autour de ces entreprises les plus engagées des produits, des solutions pour les clients qui vont pouvoir investir et donc finalement financer à travers leurs investissements la transition énergétique, mais aussi après digitale, c'est un autre sujet, mais que nous appelons tous de nos voeux et qui est nécessaire pour les générations suivantes, pour notre génération et les générations suivantes. Et donc, motivation des entreprises, des sociétés de gestion qui, depuis longtemps, depuis plus de 20 ans, on peut le voir à l'AFG, hein, avec la création de notre commission Finance Durable, qui est aujourd'hui présidée par Léa et animée par Anna, et qui existe depuis 2000 hein, à l'AFG. Et aussi, nous sommes actifs aussi à l'ORS depuis toujours, puisque nous sommes l'un des membres fondateurs de l'ORS, que préside aujourd'hui Hélène. Et donc, motivation de ces sociétés de gestion. Motivation aussi des distributeurs, on l'a vu avec la Banque Postale, on l'a vu avec les conseillers en gestion de patrimoine, Pascal. Et enfin, motivation aussi du régulateur, des politiques, de la Commission européenne, de l'ESMA. Et donc, finalement, on a une motivation de toute la chaîne pour arriver à transformer cette économie, à faire les investissements nécessaires à cette transition. Alors, on a essayé, pour mieux diriger ces capitaux, de normaliser. Alors, on normalise le reporting des entreprises, on a normalisé avec CSFDR, pas dans le bon ordre. Bon. Mais on sent bien aujourd'hui qu'après cette première salve de textes, qui dure quand même depuis une petite dizaine d'années maintenant, si on compte les textes français qui sont sortis avec le label et puis la doctrine AMF, on tâtonne malgré tout. Cette première version, très complexe, aujourd'hui, on se rend compte qu'elle est trop complexe, donc il va falloir la faire évoluer. Alors, au niveau des entreprises, c'est plus récent, donc on va voir comment ça se stabilise, si on arrive à en faire quelque chose. On voit bien qu'au niveau des sociétés de gestion et de la gestion d'actifs et de la finance durable en général, les textes tels qu'on les a aujourd'hui au niveau européen et même au niveau français, on ne peut pas garder complètement cette stabilité qu'on appelle de nos voeux dans la réglementation en général. Il va falloir faire évoluer les choses. Alors, comment on fait évoluer les choses? Je pense qu'il y a deux axes qu'il faut suivre. C'est deux objectifs qu'on va se fixer collectivement. Comment on fait pour convaincre le client, pour adopter finalement un message qui soit compréhensible pour les clients qui vont finalement souscrire au fonds que nous, société de gestion, nous gérons. Et donc, comment on se met à adopter un vocabulaire accessible aux clients, comment on se met à se mettre à la place du client quand on fabrique nos fonds ou quand on distribue nos solutions d'épargne. Et l'autre objectif, c'est comment on finance cette transition, donc grâce à l'épargne de ses clients. Je pense qu'il faut qu'on change de logiciel collectivement, et j'appelle en ça en particulier le régulateur et les régulateurs. Après cette mise en place de plein de textes, on s'est dit, oulala, il y a eu tellement de,
de développement de la finance durable, notre objectif, ça va être de limiter le greenwashing. C'est horrible, le greenwashing, il faut le limiter. Bien sûr, il faut le limiter. Mais si on construit la finance durable avec cet objectif de limiter le greenwashing, qui est un objectif qui est négatif, on n'y arrivera pas. Il faut repartir vers un objectif positif, et c'est ce qui ressort hein, des deux tables rondes de ce matin, de vouloir, comment on fait pour mobiliser l'épargne vers la transition, et en mettant évidemment des critères qui empêchent les uns et les autres de raconter n'importe quoi, mais de repartir vers une dynamique positive, parce que là, on est en train de s'enferrer dans un truc négatif, et ça, c'est pas bon. Voilà, donc beaucoup de... Alors, dans les deux tables rondes, j'ai identifié, moi, plusieurs facteurs de succès qui sont déjà, finalement, utilisés par les uns et les autres. Le premier, c'est le travail entre les distributeurs de produits financiers, les conseillers des clients, et les producteurs que nous sommes, nous, sociétés de gestion. On a vu des exemples, la Banque Postale, avec Pascal Bossan, avec Bertrand Merveille, qui nous ont parlé de, justement, ce lien entre sociétés de gestion et distributeurs, ce travail en amont qui est fait pour que l'offre des uns soit bien comprise par les distributeurs et qu'inversement, cette offre, elle réponde, non seulement elle soit comprise, mais elle réponde aux questions qui sont posées par les clients. Et donc un travail entre distributeurs et producteurs. Et l'autre bonne nouvelle, facteur de succès, c'est CSRD, en effet. C'est complexe, mais quelle chance, comme disait Léa tout à l'heure, quelle chance nous avons, nous, enfin, société de gestion, de pouvoir nous appuyer sur des données fiables, auditées, qui soient homogènes. Aujourd'hui, on s'appuie sur, j'y reviendrai tout à l'heure, des données à travers des prestataires qui ont des méthodologies différentes, pas forcément fiables, qui sont en effet toutes localisées, même pas en Europe, mais aux États-Unis maintenant, malheureusement. Et donc, on a aussi cette chance d'avoir CSRD avec en particulier les plans de transition des entreprises qui vont nous être extrêmement utiles. Et à l'AFG, on a travaillé avec l'IFD, l'Institut de la Finance Durable, Anna et Sarah dans les équipes de l'AFG, sur les plans de transition des entreprises pour aider les donner une méthodologie finalement d'analyse de ces plans de transition qui puissent servir de base à tous les analystes extra-financiers de la finance durable. Ça va même au-delà hein, des sociétés de gestion, ça sera aussi utilisable par les autres investisseurs. Et donc vraiment ce plan de transition, c'est la pièce maîtresse, enfin une des pièces maîtresses de ce reporting CSRD qui va être super utile dans les années dans les mois qui viennent. Et on a aussi identifié dans les tables rondes des freins, évidemment. Donc la complexité des réglementations, le vocabulaire d'experts, les trous dans la raquette, parce que j'ai parlé de la chaîne tout à l'heure de l'entreprise jusqu'au client, mais les trous dans la raquette, les prestataires de données, les agences de notation, les prestataires d'indices, qui sont totalement hors du scope pour l'instant. Or, bien évidemment que notre dépendance, nous, la société de gestion, à ces prestataires va être moins importante puisqu'on a CSRD, mais CSRD, c'est qu'en Europe. Et donc, on a besoin d'avoir une réglementation de ces prestataires pour que toute la chaîne soit cohérente. Et aujourd'hui, il y a un trou dans la raquette. Cohérence aussi de toutes les réglementations sur toute la chaîne. Et puis, les pistes. Les pistes, donc, c'est l'avenir. On a vu que se dressaient un certain nombre de propositions. D'abord, je voudrais revenir sur la première qui concerne toute la réglementation et qui était soulignée par le rapport Draghi, celui de la simplification. Et c'est vrai qu'il y a mise en cohérence et il y a aussi un foisonnement de règles où tout s'empile, alors non seulement au niveau national, européen et peut-être international, mais aussi des complexités de reporting et de normes qui font que les sociétés de gestion, pour le monde que je connais le mieux, elles sont complètement déchirées entre l'objectif de répondre à ces normes, à ces multitudes de normes, et puis leur gestion de conviction. C'est quoi le sens finalement derrière? Et donc, simplification, c'est vrai pour tous les domaines au niveau de la réglementation, c'est vrai pour la finance durable. La mise en cohérence de toute la chaîne, je l'ai dit aussi. Et puis se mettre dans la peau du client, c'est-à-dire
dans les catégories, ce qu'a évoqué tout à l'heure la Commission européenne et puis qu'a repris aussi Philippe Soret de l'AMF, qu'a repris aussi Léa, puisque tout le travail de l'AFG, ça a été aussi de faire des propositions en sens pour les produits finalement de. Les produits d'épargne, de finances durables, les produits d'investissement responsable, finalement, faire des catégories simples, compréhensibles par le souscripteur, c'est ce qui va nous aider, ce qui va aider toute la chaîne et donc le distributeur aussi à clarifier les différentes stratégies à la disposition du client et de faire caler finalement ces questionnaires MIF incompréhensibles avec le futur SFDR, et donc ce qui va permettre à tout le monde de fédérer les investissements autour de catégories de stratégies simples, certaines stratégies de transition, clairement. Ben voilà, je finance des entreprises qui ne sont pas vertes, qui sont en transition. Je peux le mesurer, parce que j'ai des plans de transition, et donc je vois comment ces plans de transition sont respectés, et sont à quel point ils sont ambitieux dans les entreprises, donc une stratégie de transition, une stratégie verte. Allez, j'ai la taxonomie, elle va évoluer. Et puis, ou des fonds à impact social aussi, on peut aussi aller dans ces thématiques-là. Et puis après, il y a toute la masse aussi des fonds avec une sélectivité qui sont plus mainstream aujourd'hui et donc qui serait une troisième catégorie. Donc, c'est la proposition qu'on a faite à l'AFG de structurer finalement les offres de gestion autour de ces trois catégories. Alors, 3, 4, 5, 2, on verra. Mais en tout cas, il faut que ces stratégies elles soient claires, compréhensibles pour un client. Quel était votre appétit, monsieur le client ou madame, au risque? Quelles sont les performances que vous attendez? Quelle durée de placement? Est-ce que vous souhaitez que vos investissements soient aussi filtrés avec des enjeux de durabilité? Si oui, est-ce que vous voulez quelque chose de très pointu? Alors attention, parce que le rendement risque n'est pas le même sur un produit vert. Ou est-ce que vous voulez un produit mainstream? Donc là, on enlève les moins bons, les entreprises qui sont les moins engagées dans la RSE et on sélectionne les meilleures. Est-ce que vous voulez financer vraiment les investissements liés à la transition? Voilà, traduire dans un vocabulaire simple, finalement, ce qui est le quotidien des sociétés de gestion dans leur stratégie et qu'elle soit compréhensible vis-à-vis des clients. Voilà, donc... je pense qu'il y a beaucoup de choses positives, donc merci encore une fois à tous les intervenants d'avoir fait part de leurs convictions et d'avoir préparé cette table ronde, ces deux tables rondes. En tout cas, l'AFG sera toujours là pour être force de proposition. On fait vraiment le lien entre l'ensemble de nos membres, les sociétés de gestion qui sont dans nos commissions, qui sont dans nos groupes de travail, et puis les propositions au niveau de la Commission européenne, du gouvernement français, de l'AMF, de l'ESMA. Et donc, on sera toujours là, force de proposition. La France est vraiment le leader de la gestion d'actifs en Europe. C'est aussi le leader de la finance durable. On a la première place pour la finance durable. Donc, on a une responsabilité aussi propre de faire ces propositions pour qu'on ait cette réglementation plus simple qu'on appelle, qui doit avoir pour objectif de financer cette transition dont on a tous besoin. Elle soit plus simple, plus cohérente, plus efficace, et bien coordonnée sur toute la chaîne de valeur, donc de l'entreprise aux investisseurs, aux distributeurs, et sans oublier le maillon faible aujourd'hui, c'est-à-dire les prestataires de ces deux données qui ne sont pas encore réglementés et qui sont tous hors Europe. Merci de votre attention.